Pour moi, le click and collect, oui, il est essentiel. Maintenant, il va l'être et dans les prochains mois, cela va s'intensifier, je pense. J'ai eu de la chance, j'ai sorti mon site e-commerce il y a à peu près un an maintenant, puisque c'était en février. Et c'est vrai que depuis, je vois une évolution constante sur le site. Donc, j'ai incorporé aussi dessus le click and collect afin de répondre au mieux à toute ma clientèle. Que signifie la Saint-Valentin en une phrase pour nous fleuristes? Ben, c'est avant tout la deuxième plus grosse fête. Donc, c'est sûr, il faut pas se louper. C'est l'amour. Quand on dit Saint-Valentin, c'est je vois automatiquement une rose rouge. Donc, forcément, c'est une fête pour nous fleuristes. Il faut y être préparé. Et j'espère que cette année, contrairement aux autres, je me garderai une petite rose rouge pour madame avant de me faire tirer les oreilles. Pour moi, la tendance 2021 pour la Saint-Valentin, c'est simple, ça reste la même comme chaque année, c'est la rose rouge par excellence. Donc il faut rester dessus. Par contre, après, voilà, vous pouvez la décliner en composition florale, avec des structures, où là, vraiment, il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, vous pourrez suivre un de mes tutos que je mettrai d'ici quelques semaines. Vous pouvez aussi éventuellement travailler la rose éternelle. Donc la rose éternelle, pourquoi? Parce qu'on arrivera à mieux gérer nos stocks et ça vous permettra de répondre à toute demande de votre clientèle.